Bonjour Fanny Malonga. Bon, Papa Wemba, ce qui me fait des frissons, ce qui me fait la chair de poule, c'est le fait que lors de l'anniversaire de la première dame, Madame Olive Kabila, à Goma, moi je n'étais pas parti, lui il était à la fête, et autour de la table, il y a quelqu'un qui lui avait posé une question. C'est quelqu'un qui était venu de Paris. Il avait dit, mais papa, musique Nabisu Ezokoufa. La musique était en train de pratiquement disparaître parce qu'on a constaté que les Nigériens, les Ivoiriens ont pratiquement pris notre place. Et papa Mal lui avait répondu, il avait dit oui, effectivement, moi-même j'avais cette crainte-là. Depuis un certain temps, il y a une vague de jeunes qui viennent avec des idées novatrices. Et c'est ce qui me rassure, qui me prouve que la musique ne va pas disparaître. Et c'est des gens comme Thierry Kabamba. Il m'a cité énormément. Et ce qui me fait des frissons, c'est le fait que c'est cette personne-même-là qui m'avait appelé le jour de sa mort. C'est cette personne-là qui m'a réveillé de mon sommeil parce que moi, j'étais à New York. Et vous voyez les décalages par rapport au fuseau horaire. C'est cette personne qui m'a tiré de mon sommeil pour me dire que non, mais papa m'a venu de rendre l'âme. Et c'était à l'instant même. Et il m'a dit, allume la télé, branche-toi sur telle chaîne. Et je me suis branché, effectivement, j'ai constaté qu'on montrait en boucle une image de Papa Wemba qui était en train de chanter, de danser, et puis jusqu'à ce qu'il s'est effondré. Et j'ai vu comment est-ce que les danseuses ont accouru, et elles ont commencé à prier, et puis après, on s'était arrêté là. Et après, c'était la confirmation effective de sa mort. Pour pérenniser ces courants de pensée, cet état d'esprit-là, la meilleure des choses qu'on peut faire sur le plan culturel, ça je m'adresse principalement aux autorités du pays, ce qu'il faut faire c'est de racheter la maison de Papa Wemba avec tout le bien qui y sont, parce que ce sont le bien que Papa Wemba touchait au quotidien. C'est les lits, c'est les fauteuils, c'est le verre à boire, c'est les fourchettes, c'est les postes téléviseurs, c'est tout ce qu'il y avait dans cette maison-là. Mon souhait, c'est que le gouvernement puisse racheter cela, remettre l'argent à Maman Amazon pour se permettre d'acheter une nouvelle maison convenable pour elle, et peut-être les surplus, penser aux autres orphelins de Papa Wemba, et que cette maison soit transformée en musée pour que les touristes qui viendront de partout, tant de l'intérieur du pays, parce qu'il ne faut pas oublier que Papa Wemba c'était une mythe, même à l'intérieur du pays, que sur le plan international, que tous ces touristes-là qui viennent en visite à Kinshasa puissent passer, aller visiter la maison de Papa Wemba. Cela va faire renflouer les caisses de la fondation Papa Wemba, et cela va nous mettre un peu sur le même diapason de pays, des gens civilisés. Donc cette maison-là, je trouve que ce n'est plus une maison à occuper, mais plutôt que le gouvernement achète une bonne maison l'épouse de feu Papa Wemba, qu'on garde toutes ces pièces qui constituent un peu cette maison-là pour que les touristes viennent visiter. Et quand les touristes viennent visiter, c'est payant. Et quand on paye, ça permet à la caisse de la Fondation Papa Wemba d'avoir des revenus et de fonctionner pour commencer à produire des produits dérivés qui vont porter l'effigie de Papa Wemba, les mots qu'il a prononcé, les paroles qu'il a chantées et tout ça. Et je trouve que cette maison doit devenir un monument et devenir un patrimoine culturel national.